Alors, C'est bon, c'est reparti, ça y est, donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à peu près avoir fait une léger intérêt. Après, je pense que c'est à peu près. Veuillez nous excuser de ce interruption temporairement de l'image et du son. Donc, c'est vrai que j'ai. Ça m'a déconnecté, ça m'a déconnecté, c'est ma box, c'est ce qui m'a déco. Hein. Même que j'ai changé ma box, c'est pareil. Hein. De toute façon, j'ai un débit aussi bas de chez bas, donc je pense que c'est la galère pour me connecter. Mais déjà pour le live, si je mets en HD, même pas en 60 FPS, si m'appelle la peine, là, vous aurez un écran noir. Hein, donc. Désolé de ce momentanément de l'interruption temporairement de l'image et du son. Donc revoilà, donc on va faire à peu près la moitié de la course. Il reste 112 km de l'arrivée. Donc on va arriver au point de repère. Donc on va arriver au point de ravitaillement. Donc j'espère que la diffusion marche bien. Donc là il doit avoir de la casse. Donc la casse, ça y est, ça c'est revenu. Donc il y a bon pour l'écart reste stable entre le peloton et l'échappée. voilà. Donc l'écart reste stable. Donc il y a quatre groupes qui sont partis. Donc c'est de composé de Arnold Janssen, de Rudy Tamaré, de Rui Alberto de Costa et de Tony machin, bon, Wellens. Donc ils sont quatre groupes de coureurs qui sont échappés, qui sont partis sur les devants. Donc quant à nous, on est chaud peloton. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait de plus? Donc il faudrait que je fasse un objectif à moi-même perso pour essayer de récupérer un trophée, parce que là on a consommé du gel bleu et du gel rouge. Donc là on arrive au point, là on rentre dans le point de ravitaillement. Donc là il faudra chercher la personne où il y a la musette. Mais là d'habitude il y a du monde pour récupérer les musettes, mais là il n'y a rien de à la fin du ravitaillement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va manger du gel bleu et du gel rouge. Pourquoi? Parce que là j'ai envie d'avoir un autre trophée, le trophée Carlos. Donc ça c'est un trophée personnel en plus, moi qu'il faudrait que un trophée en plus que je vais l'avoir. Donc là on a passé le point de ravitaillement. Là il nous reste 104 km de l'arrivée, donc on a fait la moitié de la course. Placé au général dans l'échappée. Hop, qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va faire gel bleu. Gel bleu, gel bleu. Donc hop, gel bleu. Hop, gel bleu. Gel bleu. Gel bleu. Donc hop. Ça marche. Je me ravitaille. Ça va. Et on va se ravitailler. Moi aussi, hop, je vais me manger un petit bout. Manger un petit bout. Tac, ça c'est bon. Hop, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le gel rouge. Pareil, pareil, pareil. Idem pour lui. Idem pour Samuel Dumoulin. Idem pour William. Idem pour Cyril Gauthier. Donc c'est bon. Ça marche. Je me ravitaille. Ça va, on va se ravitailler. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais me vider pour avoir un petit trophée. Et là, qu'est-ce qu'on aura? Clac! Alors, est-ce que j'aurai un trophée? Ou alors j'aurai un trophée à l'arrivée? Non, même pas.
Ravitaillez-moi. Ou alors que j'aurai à la fin, quoi, le ravitaillement. Ah, sauvegarde. Donc là, on va arriver au point de haut sprint intermédiaire. Donc je pense que là, on a tout vidé. Yes, il n'y a pas de souci. Donc hop, on y va. On va monter. 12, 24, 36. Là, on a fait 36 points de ravitaillement. Donc, je sais pas si c'est pas... Attends, il faudrait que je voie ça. Carlos, Blanca, Alpha, bravo Charlie. Alors, donc ouais, désolé, là je suis en train de voir. Là je suis en train de connecter mon compagnon. Alors, Tour de France 2017. Ah, la tête de la course. Donc hop, Carlos. On se rapproche du sprint intermédiaire. L'occasion de rappeler que seuls les 15 premiers marqueront des points pour le maillot vert. Pendant une étape, est-ce que j'aurai un trophée en plus? Je pense bien que oui ou non. Moi, j'ai rien fait. Tout est bon. Alors. Je pense que tout est bon dans le cochon. Alors. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bon, je pense qu'on aura... Voilà, qu'il faudrait que... Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir en sprint. Voilà que ça, ça voilà qu'il faut que je change de joueur et que je consomme les 36 ravitaillements, quoi. Bon, il faudrait que je regarde le guide des trophées sur PSTHC là, si ils ont mis, hein. Allez, voilà Peter Sagan, Tom Dumoulin qui est devant, donc Peter Sagan, hop. Je pense qu'il y aura un combat, donc il y aura 11 points à... 11 points à faire. La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. Ouais, nous on est à peu près à 8 km du sprint. Il y a le maillot jaune qui est devant. Donc on va laisser le maillot jaune. Là, on va monter un petit col, mais je pense que c'est un sprint à monter le col. Hein. Là il y a Peter Sagan qui est devant. Je pense qu'on va changer de nouveau leader. Ce sera Peter Sagan qui va y aller et qui va gagner. Faut faire attention à Chris Froome qui a 2 secondes d'écart sur le maillot jaune. Ça c'est l'écart le plus court de l'histoire du Tour de France. Au fait, le en mode réalité, donc qui est le plus court de l'histoire, c'est il y a 8 secondes de d'écart en 89 entre Laurent Fignon et Greg LeMond. Et donc dans le jeu, il y aura 2 secondes d'écart entre le premier, entre le maillot jaune, comment il s'appelle, Tom Dumoulin, et Chris Froome, alias Chris Fripp. Voici le sprint intermédiaire. Donc, Tom Wollins qui a marqué 20 points de plus pour le maillot vert, donc il y aura 11 points, donc il y aura le maillot vert qui va y aller, donc on voit ce qu'il est, le maillot vert. Allez, donc je vais mettre sur la gauche, là il y aura le meilleur sprinter, donc hop,
C'est parti, Peter Sagan qui passe dans les devants. Peter Sagan. Peter Sagan va faire attention. Ah, Tom Dumoulin qui veut pas y aller. Donc Peter Sagan, il va récupérer le maillot vert. Donc il va récupérer le maillot vert. Donc un nouveau leader. Donc un nouveau résultat des courses. Nouveau leader. Il reprend le maillot vert. Il reprend la tête de la course. Le peloton roule fort. Restez bien placé. Donc on verra ça à l'arrivée. Qui c'est qui va y aller dans les devants? Donc on est à peu près à 82-81 km de l'arrivée. L'arrivée qui se fait à Saint-Lan-de-Provence. Dans les Bouches-du-Rhône. Dans la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et demain, ce sera une étape de contre-la-montre. Marseille-Marseille, étape 20. Avant d'arriver sur les Champs-Élysées. Dimanche. Ah, j'ai déconnecté mon application compagnon de PlayStation. Donc, ouais. Voilà, donc là il reste 4, il reste quoi, 4-14, la tête de la course est à peu près à 4-14. Là, ça va, je vais bouger les choses. L'écart reste stable entre le peloton et l'échappée. Le peloton, ça reste stable entre le peloton et l'échappée, donc hop. On continue l'histoire. Les voilà, les voilà. Ouais, les voilà. Et t'as vu le train. Pas le moment de traîner en queue du peloton, donc attention. Même si on a bouffé tous les transits, tous les ravitaillements qu'on a proposé, donc je sais pas si c'est bien ça ou si c'est autre chose, donc faudrait que je regarde bien, donc je sais pas ce qu'il faudrait, c'est de changer d'autres coureurs et de bouffer des transits ravitaillement quoi. Il faudrait que je voie ça après. Donc je voie ça. Allez les gars, courage les gars, courage les gars. L'écart diminue les gars, le peloton devrait jouer la gagne. Bon, je pense que ça va jouer la gagne. Ouais, le peloton est... Ah, ça diminue donc 3.34. Je dis bien 3.34, 3.33. Ah, ça diminue là, ça commence à se fatiguer. Allez, on est parti donc. Attention. Allez, c'est parti. Hop, on va tourner à droite. Donc, je pense que si c'est bien, si pas mes calculs sont exacts, mais bon. Allez les gars. Donc on va pousser, on est à peu près à 67 km/h. Allez, hop, on a mis le TGV en route. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart.
possible, ça continue. Après on va grimper le col de troisième catégorie, donc rappel des points, 2 points pour le premier et 1 point pour le second, pour endosser le maillot poids. Mais c'est pas ça, c'est ça. Donc là l'affaire est classée, donc Romain Bardet qui est le meilleur grimpeur du Tour de France 2017. L'échappée est en train de résister au retour du peloton, ouais. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour eux, donc ouais, ils sont à 3,40. La tête de la course est à peu près à 3,42. Mais bon, on va arriver à la montagne de troisième catégorie. Il y a Peter Sagan qui est de devant, donc je pense bien qu'il va récupérer son petit maillot vert. L'équipe de G2R mondial est là. Pour le maillot vert, hop, on va passer les Tourneville. Après, on va arriver au prochain col de difficulté de troisième catégorie. 2 points pour le premier et 1 point pour le second. Ça y est. Donc on va monter. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, hop, c'est bon. Ah. On est parti, là, ça commence à faire le chouchou, là. Ça y est, là, c'est carburant. 2 et 1 point pour le classement de la montagne. 2 points et 1 point pour le classement de la montagne, donc c'est mission accomplie pour le maillot à poids pour Romain Bardet. Donc la tête de la course est à peu près à 4 km. Bon, on arrive à 5 km, donc on aura 1 km d'écart. 1 km d'écart. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. Pas le moment de traîner au queue de peloton, mais bon, faut faire attention. Donc, faut que je regarde Samuel Doulin. Ouais, il est à peu près mort. Il y a Bakelin, ouais, il est à peu près mort. Pierre Latour, il y a Xivir, Anthony Géniez. Anthony Géniez, bon, qu'est-ce qu'on va prendre à Pierre Latour? Ça, c'est le col du pointu. Hop, allez, tiens, on va prendre Anthony Géniez comme ça. C'est la première fois que j'utilise un coureur. D'habitude, j'utilise pas Anthony Géniez. Donc, allez, hop, on va essayer de prendre ça. Regarde. Peut-être que ça sera le petit outsider. Hein? Le petit outsider, ça y est. Comme ça. Non? Ouais, ça sera le nouveau favori, donc il a pas trop consommé, hein. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Donc les premiers sont à 2 km, nous on est à peu près à 3 km, donc hop, ils s'arrangent. Nous, on va monter, ça y est.
C'est parti, les amis. Allez, donc hop, au col du pointu, donc là, on est à peu près à 1,5 km, 1,4 km. Voilà, rue Alberto Costa qui a marqué 2 points de plus, donc nous on est à peu près à 1 km. 1 km. Il est en difficulté, pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Ah, lui là il est en difficulté, ça y est. Ça va y aller, hop, on va discuter, on va marquer un peu plus de points, hop. Carrefour. Hop, allez, hop, on va faire un peu d'aérodynamisme, donc on va récupérer un peu de trucs. On va descendre, de la montagne à Dada. Il était combien au classement général, lui? Il est 9e. 9-24 du maillot jaune. 9-24 du maillot jaune. Donc c'est à peu près bon. Et le classement pour la montagne, lui, il a jamais marqué 10 points, lui. Bon. Non, je pense pas. Bon. Alors, hop, on va avancer un peu, Bon, ça y est, ça là, c'est le TGV qui se met en route, donc on est à peu près à 38 km de l'arrivée, qui se fait à Salon-de-Provence, hop, dans les Bouches-du-Rhône, pas loin de Marseille, pour aller boire du pastis. Et oui, l'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Je vous rappelle. C'est lui le mieux placé au classement des grimpeurs dans l'échappée. Alors, hop, on est à peu près là. Donc, hop, on est à peu près 2 km. Allez, c'est génial, il a 30 points de, du maillot pour un. Hein. Bon. Allez, on est à peu près à 1,45, 1,44. Alors, Samuel Dumoulin. Oh, aïe. Ça m'étonnerait qu'il sera dans les 5 premiers favoris. Là, le chouchou, ça y est, ça ira fort, hein. Allez, hop, je vous laisse. Une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course. Sur la tête de course, manque une trente de retard. On arrive à les échapper, là on réduit l'allure, donc peut-être qu'on va avoir une victoire de Peter Sagan, donc il va récupérer son maillot vert. Déjà il le porte déjà parce qu'il est parce que le comment il s'appelle Tom Dumoulin qui lui il porte le maillot jaune. Il ne peut pas porter deux maillots à la fois, donc c'est le deuxième qui le porte, donc Peter Sagan. Voilà, donc on est allé, hop, 25 km de l'arrivée, donc il n'y a pas de ballon là, hein. On arrive. Allez, une 12. Voilà, Peter Sagan qui est devant. Je pense que les sprinters sont devant.
Alors, Samuel Dumoulin, ouais, Pierre Latour, non. Alors, donc, à peu près dans les 5 km, donc il faudra que je prenne le Samuel Dumoulin. On va essayer de voir. On va essayer, d'essayer. Donc, hop. Ta-ta-ta-ta. Ah, ça a ralenti l'allure. Ah, Samuel Dumoulin qui est devant. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Donc on a 1 minute pour l'échappée. Donc hop, on va essayer de d'avancer un peu les choses en main. Donc hop, le chouchou, on arrive. Allez, allez, on se suit. Donc 20 km de l'arrivée. Ah, je vois la voiture rouge, la voiture Skoda. Allez, hop, Samuel Dumoulin, c'est bon. Ouais, allez, là, il reste 18 km. Allez, hop, on fait ça. On arrive. Ça doit être un outsider. Et je sais pas si c'est un peu près. Être dans les échappées du jeu. Allez, 15 km de l'arrivée. Alors, ils sont où les autres? Sagan, Tom Dumoulin. Ils sont là. Sylvain Chamanel. Ils sont tous là. Là on est à peu près à 35 secondes de la tête de la course, donc on va essayer, on va les rattraper et là ça va faire la finale à des sprinters, donc à peu près dans les tout derniers kilomètres. Donc je vais essayer de prendre Samuel Dumoulin. Attention à Philippe Gibert, lui 30 secondes d'avance pour la tête de course. Là il est en train d'attaquer. Attention à Sylvain Chamanel. Oh là, lui, il n'en peut plus, Sylvain Chamanel. Il n'en pouvait plus, Sylvain. Donc, allez. On est à peu près à 10 km. Donc, hop, qu'est-ce qu'on a? David Pozzovivo. Romain Bardet, non. Mathias Franck, Yann Bekeland. Waouh, purée, Yann Bekeland. Allez, on va essayer de prendre Yann Bekeland. Anthony Genia, c'est bon, merci. Merci à toi. Donc, allez. Hop. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui. Donc, hop, allez. Donc, on va essayer de choper un peu près de. Attention, hop, on va essayer de choper. Ça y est, on a essayé. Donc, on a essayé de choper. Allez. Donc, c'est bon. Regroupement général. Regroupement général. On est à peu près à 5 km. 6 km 600. Attention, donc hop, il y a Bossenhagen, il y a Hiverne à peu près. Allez, dans les 5 km, les équipes de sprinteurs 5 km le sprint semble maintenant inévitable. Alors attention à Samuel Dumoulin. Bon, récit. 5 km, on se dirige vers un sprint massif. Ouais, ils vont se faire un sprint massif. 4 km, 3 km 700. Alors là, 3 km, allez hop, on va essayer de prendre Samuel Dumoulin. Donc allez, soyons fous, allez, hop, on va se speeder à fond. Donc hop, on va essayer de faire, de terminer dans les 5 premiers. 2 km. Attention à la flamme rouge.
Flamme rouge, allez, donc c'est parti, c'est parti, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, allez, c'est parti, c'est parti. Oh putain, allez, 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 victoire de Samuel Dumoulin. Victoire de Samuel Dumoulin. Yes. Là, je vais faire un grand yes. Allez, cérémonie protocolaire. Allons voir la cérémonie protocolaire, les gars. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape, Ambra Salon-Provence. Samuel. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Aïe, 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 haut vol. Ça y est, donc on est à peu près dans les 5 premiers kilomètres. Se passe bien pour lui, allez, Romain Bardet. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Donc meilleur grimpeur du Tour de France 2017. C'est donc un moment qu'il ne devrait pas oublier rapide, et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Les points sont définitifs. Il joue les tout premiers rôles cette année. Donc, voici le maillot blanc de ce Tour de France. AGT Leader Mondial, ça y est, c'est le best. Pierre Latour, c'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Merci Breton, merci Breton, merci Breton. Ah, ça y est, c'est bon, on est tous. Ah, j'ai un trophée obtenu, Carlos. Yes. Bravo les gars, félicitations à vous. Yes. J'espérais bien qu'on joue les premiers rôles, vous avez gagné cette étape. Vous avez réalisé une superbe performance. Allez, super performance, Samuel Dumoulin qui est arrivé premier. Donc, allez, hop, on va essayer de sauvegarder le clip vidéo. Ça y est, sauvegarder. Donc, je vais faire un petit bonus pour vous, chers téléspectateurs. Samuel Dumoulin, donc premier. Donc, il a 10 secondes, 10 points de bonification. Donc, hop, ça ne changera pas. Donc, Rui Alberto Costa, c'est bon, il a récupéré 9 points. Johnson, 3 points. 3 points pour Taramaï. 2 points pour Wellens. Allez, Samuel Dumoulin qui a 50 points. Ça y est, Peter Sagan, 27 points de plus. Donc, après, ça ne changera pas. Donc, ils sont à 0. Pierre Latour à 0. Donc, ça ne changera pas. Après Sunweb qui est arrivé premier au classement de l'équipe, au classement par l'équipe de l'étape. Et Arnold Jensen qui a 208 km de plus. Allez, hop, classement général. Tom Dumoulin, maillot jaune. Christophe Froome qui a 2 secondes. Richie Porte 19 secondes. Alors, on verra ça demain. Ça va changer les choses. Donc, croisons les doigts pour demain, donc étape de contre-la-montre Marseille, d'une vingtaine de kilomètres, donc ça, classement final du meilleur grimpeur, il n'y en aura pas d'autres, c'est fini ça, Romain Bardet, meilleur grimpeur du Tour de France 2017, donc il a 208 points au compteur, second Richie Porte, 136, Chris Froome, 122, Nero Kitana 93, salut à toi, bonne soirée, à demain Breton. Vincenzo Vin Nibali 91, Tom Dumoulin qui a 89, Pantano 53, Martil, après, il y a plein d'autres. Alors, classement par points, Peter Sagan, ça y est, nouveau leader, il a récupéré la première place du maillot du meilleur sprinter. Attention aux deux hommes, donc il a récupéré le maillot vert du Tour de France, bravo à lui. Donc ça ne changera plus jamais pour le classement du meilleur jeune, donc Pierre Latour qui sera maillot blanc du meilleur jeune du Tour de France 2017. Donc on aura deux maillots à emporter pour les Champs-Élysées, deux maillots à emporter pour les Champs-Élysées, ça c'est magnifique. Donc classement, ça n'a rien à changer. Donc AG2R, la mondiale qui est le premier du classement par équipe,
Et pour le classement de la combativité, c'est Rui Alberto Costa, lui. Je pense qu'il va gagner le classement de la combativité avec 668 km devant Cyril Gauthier qui a 445 km. Donc on a gagné une étape, on a conservé le maillot à poids, conservé le maillot blanc, on a tout conservé, donc David Pozzovivo il a récupéré Max, Géniez à Max, Mathias Prant, allez, Romain Bardet il a à peu près, c'est bon, Samuel Dumoulin, donc on verra ça pour demain. Demain ça sera l'étape contre la montre, étape 20, Marseille. Ouais. On va arriver peut-être. On va peut-être arriver. Je sais pas si c'est moi. Peut-être y arriver. Comment dire. Long chrono, comme stade. Ouais, le stade Vélodrome. Voilà. Allez, donc hop, on va cliquer ça. C'est 21 km. Et donc, votre jour Paris-Champs-Élysées, c'est 56 km. Donc, on aura à peu près 1, 2, 3, 4, 5. 5 passages. Donc, là, comme vous voyez, ça, c'est l'étape, elle est fausse de chez fausse. L'étape la plus vraie, c'est à peu près 103 km ou à peu près 90 km pour aller jusqu'aux Champs-Élysées. Et en plus, on a 10 passages par rapport au jeu qu'ils ont que 5 passages. C'est l'étape la plus courte, mais c'est n'importe quoi. En plus, c'est pas le. Elle est pas réelle, quoi. Bon, c'est pas grave. Donc, hop, on verra ça. On va changer le titre de la soirée. Donc, allez, hop. Afficher les commentaires. Donc, il y a pas par maintenant. Non, c'est pas ça. Message à l'attention des spectateurs. Désolé, parce que là, j'ai des coups. Hein. J'espère que je serai pas déco pour demain, donc 21 km ça me ferait bien chier là que je fasse de live de partie quoi. Là je vais me faire de partie hein. Bon, hein, c'est bien ça. Allez, Marseille. Tirez à Marseille. Allez, on va prendre le pastis. Allez. Hein, ne prenez pas la route en volant, hein. Si vous avez bu du Ricard, du pastis, du 51, je t'aime, ne prenez pas le volant, hein. Ne risquez pas votre vie, hein, comme ça, hein. Allez, c'est bon, hop, du coup, je vais vous laisser, donc rendez-vous demain, je pense que je vais faire à 21h, comme ça sent tranquille, et dimanche, ça sera à 21h, donc ne manquez pas ces rendez-vous. Ça, demain et dimanche à 21h. Demain, étape 20 contre la montre Marseille. Dimanche, pareil à 21h. Mangeron Paris Champs-Élysées. 56 km pour dimanche à 21h. Notez ces rendez-vous demain et dimanche. Ça sera à 21h. Allez, bonne soirée à tous. Et je vous dis à demain. Salut à tous. Bye bye.